Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette jolie pochette que voici. J'ai mis une anse en plus. Ça fait rose poudré. Ou si vous voulez, vous pouvez faire sans. Vous pouvez enlever les la anse comme ceci. Et ça fait ça. Donc voilà. J'ai mis un petit bouton. Donc voilà. Je vous fais voir à l'intérieur. Après, si vous voulez doubler, vous pouvez doubler. Moi, je pense que je ferai une doublure. Quand j'aurai fait la doublure, je le ferai voir sur mon compte Facebook. Et sur le groupe aussi de Facebook. Donc, si les gens s'intéressent à être sur le groupe, vous allez sous le lien de la vidéo et vous verrez, vous arriverez sur mon compte Facebook, sur le groupe. Donc j'espère que cette pochette vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Donc pour ce sac, cette petite pochette à torsade. Il va vous falloir une pelote Hi-Core de chez Lidia Crochet ou sinon bah, vous allez chez Zeman ou dans une autre percerie qui vend du fil un peu style Hi-Core. Sinon vous pouvez faire avec de la laine, de la grosse laine. Parce qu'on va crocheter avec toile numéro 6, avec un crochet numéro 6. Donc il faut une valeur à peu près de la laine fait qu'elle soit en numéro 6 mm. Donc ça se crochète avec du 5 ou du 6. Ça se compose 100% coton et ça fait 240 à 260 grammes. Ils font 155 mètres, les pelotes. C'est la colorie 11. C'est du gris. Une aiguille avec un gros trou et un bouton. Donc là, je vais faire ma chaînette de 34 mailles en l'air et on se retrouve pour commencer le tuto. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait ma chaînette de 34 mailles en l'air. Donc vous allez faire deux mailles en l'air qui équivaut à une demi-bride. Donc voyez là j'ai laissé mon doigt parce que à partir de là je vais faire des demi-brides sur tout le long. Donc une demi-bride, une autre demi-bride. Une demi-bride comme ceci. Voilà. Vous voyez donc sur tout le rang, vous devez faire des demi-brides. Voilà. Donc on va faire sur tout le long. Je vais m'avancer sur mon travail. Je vais faire des demi-brides. On se retrouve à la fin du rang pour faire le rang numéro 2. Je vous dis donc, à voilà. Tout de suite. J'ai fini mon rang avec mes demi-brides. Là, nous allons faire le rang numéro 2. Donc, le rang numéro 2, nous allons faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc, 1, 2, 3. Nous allons faire. Donc, là, ça fait première bride. Donc, là, on va aller sur la bride d'à côté. On va faire une bride en relief par en avant. Ça veut dire qu'on va piquer dans la maille qui est là et on va repiquer de l'autre côté. Comme ceci. Et là, on va faire notre jeté. On va ressortir et on va faire notre bride. Donc là, on a fait une bride en relief par devant. Après, nous devons faire deux brides simples. Donc là, hop, on laisse comme ça. On fait dans la deuxième, on fait une bride. Et dans la deuxième, on fait une bride. Comme ceci. Après, nous allons faire des torsades. Ça veut dire qu'on va faire. Là, vous allez faire deux jetés. On va faire deux doubles brides. Donc on va sauter les deux premières mailles, on va aller dans la troisième. On va faire notre double bride comme ceci. On va refaire deux tours sur notre crochet.
Et on va refaire une double bride, mais sur la maille qui est juste là. Comme ceci. Voilà. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Après, on va refaire deux jetés. Et on va passer par derrière. Et là, on va aller sur la maille qui est juste là. La première maille. Et vous piquez dedans. Vous prenez le fil et vous ressortez. Comme ceci. Et vous faites un jeté. Vous sortez les deux premiers fils. Vous refaites un jeté, vous sortez les deux autres. Et vous refaites un jeté et vous sortez les deux derniers. Après, vous refaites deux tours. Et vous piquez dans la deuxième maille qui est juste là, les deux mailles qu'on a sautées tout à l'heure. Donc là, on va dans la maille là. Vous allez par derrière. Vous ressortez votre crochet. Vous faites un jeté. Vous sortez les deux premières. Vous faites un deuxième jeté. Vous ressortez les deux autres. Et vous refaites un jeté, vous ressortez les deux autres. Donc là, vous voyez, on a déjà fait une petite torsade. Après, vous faites un jeté et vous allez crocheter. Donc là, on va faire deux brides. Mais c'est ça, on va faire. Ensuite, on fait deux brides normales. On fait une bride en relief par devant. Ça veut dire que là, on a fait nos deux brides. On va dans la maille là. On prend la demi-bride du rang d'avant. On fait une bride en relief par devant. Je recommence parce que ça va pas là. Hop, voilà. Donc voilà. Après, on refait deux brides. Donc une et deux. Donc là, on va faire la grosse torsade. Donc on va faire deux jetés sur notre crochet et on va sauter 1, 2, 3, 4 mailles. 1, 2, 3. Parce que si on fait une torsade de 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on fait une double bride. On fait une double bride normale. On fait deux jetés. On fait une double bride dans l'autre maille qui suit. Comme ceci, on refait deux jetés et on refait encore une double bride sur la maille qui suit après. Comme ceci, on refait deux jetés et là, on va, voyez les trois mailles d'avant, on va sur la première et on va faire notre torsade qui passe par derrière. Comme ceci. On refait deux jetés et là, hop, on trouve, on va sur la deuxième qui est juste là. On passe par derrière, on pique dans la maille, on va par derrière, on fait notre jeté sur le crochet, on ressort. On fait notre jeté, on sort les deux premières mailles. On fait notre jeté, on ressort les deux autres, on fait notre jeté, on ressort les deux autres. Donc là, on va refaire pareil, on va faire deux jetés et là, du coup, on va faire la troisième double bride. Donc ça veut dire que là, on fait comme ceci, on passe par derrière, on fait notre torsade, donc notre double bride, donc une, deux, trois. Donc voilà. Donc après, on fait une bride. Une deuxième bride. Là, on va faire une bride en relief
par devant, c'est-à-dire qu'on va sur la demi-bride qui rentre d'avant. On fait une bride en relief par devant. Après, on refait deux brides. Attendez, est-ce que je réfléchis? Donc, sinon, on la saute. Oui, voilà. Et là, on fait deux brides. Une et deux. Après, on va refaire. Là, on va refaire une petite torsade. Donc, on fait deux jetés sur votre crochet. Vous sautez les deux premières. Vous allez dans la troisième et vous faites une double bride. Ceci, vous refaites deux jetés et vous allez sur celle d'après et vous faites aussi de même une double bride. Après, vous refaites encore une fois deux jetés et vous passez par derrière. Et vous allez dans la première qui est juste là. Et vous allez vous piquer, vous faites votre jeté sur votre crochet, vous faites comme ceci. Vous faites un jeté, vous sortez les deux premières. Vous faites un jeté, vous sortez les deux autres et vous refaites un jeté et vous sortez les deux autres. Là, vous refaites encore deux jetés sur votre crochet. Vous passez par derrière, vous piquez dans la maille, vous ressortez et vous faites votre double bride. Comme ceci. Et après, on fait deux brides, simplement. Hop, une bride en relief par devant. Hop, voilà. Et deux brides. Une et deux. Donc après, trois mailles en l'air pour faire le rang numéro 3. 1, 2, 3. Après, vous faites, vous sautez la première maille et vous faites une bride juste là. Une bride là, non, non, oui, c'est ça, je pense. Donc, une bride juste là, et après, vous prenez la bride là et vous faites en arrière. Vous faites une bride en relief par en arrière. Donc, ceci, vous voyez, parce que comme ça, c'est devant, ça donne ça. Donc du coup, voilà. Après, vous faites deux brides. Une et deux brides. Et là, on va refaire une petite torsade. Ça veut dire que vous faites deux jetés sur votre crochet. Ça fait une double bride. Vous sautez les deux premières, vous allez dans la troisième et vous faites votre double bride. Donc, après, vous refaites un jeté, deux jetés sur votre crochet et vous allez dans la maille d'à côté et vous faites votre double bride. Vous refaites deux jetés et là, vous allez sur la première maille qui est juste là et vous faites une double bride. Et vous passez toujours par derrière. Hein. De jeter et vous passez par derrière, vous piquez dans la maille, vous ressortez avec votre fil et vous refaites votre double bride comme ceci. Après, vous faites deux brides normales, une
et 2. On fait une bride en relève par derrière, c'est-à-dire que celle que vous voyez, on a fait par devant, qui est là, on doit la prendre, mais par derrière. Comme ça, elle restera toujours en avant. Donc là, voyez, vous passez par derrière, du coup. Et vous faites votre bride. Après, vous refaites vos deux brides. Tout simplement. Et après, on arrive dans la torsade du milieu. Donc, vous faites deux jetés. Vous sautez les trois premières mailles. Et vous allez dans la quatrième, qui est juste là. Et vous faites votre double bride. Comme ceci. Vous refaites deux jetés. Vous allez dans la maille d'à côté. Et vous refaites une double bride. Et encore de même. Vous refaites encore dans la troisième maille qui est juste là. Vous refaites votre double bride. Après, vous refaites deux jetés. Et vous passez par derrière. Et vous allez dans la première maille qui est juste là. Vous piquez dedans. Vous faites votre jeté. Vous ressortez. Et vous refaites, vous sortez les deux premières, vous sortez les deux qui sont juste là, et les deux autres. Comme ceci. Vous refaites deux jetés. Vous passez par derrière. Et là, vous voyez, vous passez votre crochet par devant, vous piquez dedans. Vous prenez, vous faites le jeté sur votre crochet. Vous ressortez. Et vous faites votre double bride comme ceci. Et encore une fois, parce que là on a fait trois torsades du coup, donc vous piquez dans la dernière maille qui est juste là et vous faites comme ceci, comme les autres doubles brides que je vous ai fait voir. Donc voilà. Et après, ben, on suit le schéma. C'est-à-dire, on fait une bride normale. Encore une bride normale. On fait une bride en relief par derrière. C'est-à-dire que notre crochet, on passe par derrière. Et on fait comme ceci. Voilà. Après, vous faites vos deux brides qui sont juste là, une et deux. Vous refaites deux jetés et là on arrive où il y a notre petite torsade. Voyez? Donc du coup, on saute les deux premières, on va dans la troisième et on fait notre double bride. Une, deux, dans la troisième. Voilà. On refait deux jetés, on va dans la maille à côté, on refait de même. On fait notre double bride. Comme ceci. Après, on refait deux jetés sur notre crochet. On passe par derrière, on va sur la première maille qui est juste là, de toute façon on ne peut pas la côté. Hein. Il y a déjà une bride. Donc là on refait notre double bride. On fait notre torsade. Après on fait deux jetés et on va sur la torsade d'à côté. On sur la maille d'à côté et on fait notre torsade. Comme ceci.
Et donc là, on arrive à peu près à la fin du rang. On va faire une bride. Une deuxième bride. Une bride en relief en arrière, comme ceci. Une bride en relief par devant, juste là, comme ceci. Voilà. Après, on retourne, on fait 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Donc là, on fait une bride juste là. Après, on fait notre bride en relief par devant, là cette fois-ci, parce qu'on est devant, on a retourné notre ouvrage. Après, on fait deux brides. Une deuxième. Et là, on fait, on saute les deux premières. Et on fait notre petite torsade. Donc on pique là juste là dans la troisième. Et on fait une double bride. On refait deux jetés. On pique dans la maille qui est juste là. Et on refait une double bride. Je recommence. Je refais deux jetés. Je pique juste là. Et je refais deux doubles brides. Une deuxième double bride. Je fais deux jetés. Donc là, vous voyez, j'ai ma torsade, mais elle n'est pas finie. Je vais aller dans la maille qui est juste là derrière et je vais faire une torsade. Une double bride. Les torsades, c'est plus souvent, c'est avec des doubles brides. Je refais deux jetés. Et là, vous voyez, il me reste une maille. Je passe toujours par derrière. Je pique dans la maille. Et je fais ma double bride. Donc après, du coup, ça se répète. Vous faites vos deux brides normales. Votre bride en relief par devant, vos deux brides normales. Après, vous faites la torsade du milieu avec les trois brides. Les trois doubles brides, ça veut dire ben là quand vous faites vos deux jetés, vous allez sur la maille qui est juste là. Vous faites votre première double bride, votre deuxième double bride et votre troisième double bride. Après, vous passez par derrière, vous piquez au premier, vous faites votre première double bride, votre troisième double bride, votre deuxième, troisième double bride. Après, vous refaites vos deux brides normales, la bride en relief par devant, deux brides normales. Après, vous faites la petite torsade. Vous faites une première double bride sur la maille qui est là et la deuxième double bride sur la maille qui est là. Après, vous passez par derrière et vous faites votre première double bride quand vous passez par derrière juste là et la deuxième juste là. Après, vous finissez par faire vos deux brides simples, votre double bride et vos derniers deux brides simples. Et on se rejoint pour le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai fini le quatrième rang. Donc, ça donne ceci. Celui-là, on a l'envers. Donc, voilà. Donc là, on va retourner. On va faire 3 mailles en l'air. Donc, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous refaites une bride. Tout simplement.
une deuxième sur la maille d'après qui est juste là. Et après, bah, vous faites la relief là, qui est en, qui est bah, là, qui est derrière qu'on voit. Bah, du coup, on fait une bride en relief par derrière, comme ceci. Donc voilà. Après, vous refaites encore une fois vos deux brides simples, une et deux. Et là, vous voyez, il y a deux torsades. Il y a la torsade, la petite torsade. Donc, on saute les deux premiers, on va dans la troisième, on fait notre torsade. Donc, les torsades, c'est des doubles brides. Une, deux. Donc, dans la troisième, on fait notre première torsade. Dans la maille d'à côté, on fait notre deuxième torsade. On fait deux jetés, on va par derrière, on va dans la torsade qui est juste là, dans la maille plutôt qui est juste là, on fait notre première torsade qui est en relief par derrière. Voilà, là on fait notre deuxième deux jetés, on va sur la maille qui est là et on fait notre deuxième torsade. Comme ceci. Donc voilà, après on fait nos deux brides normales, tout simplement. Après vous faites la bride en relief par derrière, donc vous refaites une bride en relief par derrière. Et après, ben vous faites vous. Je vais bien vous expliquer. Parce qu'après, le cinquième rang jusqu'au 33e. Après, il faut faire 33 fois. Tout faut que vous le faites 7 fois. Donc, vous prenez un marqueur. Quand vous avez fini ce rang-là, un compteur de rang plutôt, vous marquez et le 0. Rang. Quand vous avez fini ce rang, ce sera le rang numéro 6. Donc, ça sera le premier rang. Il faut que vous le faites 7 fois. Donc, écoutez bien ce que je vais dire. Le rang là, donc, c'est les brides en relief par derrière. Après, vous faites vos deux brides normales. Vous faites votre la grande torsade avec les 6 doubles brides. Comme vous voyez, les torsades croisées. Comme ceci, comme je vous ai fait voir. Après, vous faites vos deux brides. La bride en relief par derrière. Vous voyez, sur le rang que vous êtes à l'envers, vous faites votre bride en relief par derrière. Vos deux brides, simplement, votre petite torsade. Deux, quatre, double bride. Torsade croisée, n'oubliez pas. Après, vous faites vos deux brides simples, votre bride en relief par derrière et vos deux brides simples. Après, vous retournez votre ouvrage. Vous serez de l'autre sens. Du coup, là, ça sera vous répétez le rang numéro 2. Donc, en tout, ça va se répéter sur 33 rangs. Après le 34e rang et le 35e rang, on fera ensemble. Donc, ça veut dire que après, vous faites le rang numéro 6, on doit le faire 7 fois. Donc là, vous serez sur une fois. Vous faites vos trois mailles en l'air. Vous faites votre bride, là vous la faites en avant. Vos deux brides, votre torsade avec les deux. Torsade croisée. N'oubliez pas vos deux brides. Une bride en relief par devant, deux brides simples. Après la torsade avec les six doubles brides. C'est-à-dire que celle par devant et celle par derrière. Pardon. Vos deux brides simples, votre bride en relief par devant, et ainsi de suite. Après, ben, le rang d'avant,
La même chose, vous retournez, vous faites votre bride, surtout les brides en relief. Faites bien, suivez bien. De toute façon, après, ça va tout seul parce qu'ils sont déjà faits. Et petit à petit, quand vous allez avancer, ben, ça se fait tout seul. Et ça, il faut que vous le faites 7 fois. Donc moi, je vais m'avancer sur ma pochette. Et au bout des 7e fois, on se retrouve pour faire le 34e rang et 35e rang. Et on aura fini notre belle petite pochette. Je vous dis Donc à tout de voilà, suite. Du coup, j'ai avancé. Et en tout, j'ai calculé avec la corde. En tout, j'ai fait. Parce qu'au début, à un moment, je vous dis, ouais, vous faire 7 fois. Mais en tout, j'ai. Vu avec mon compteur de rang, j'ai fait 25 rangs. Parce que déjà, je trouvais que ça faisait hyper long si je faisais pour à peu près 33 rangs. Donc, du coup, j'ai fait comme ceci. Donc là, on va faire un rang de. Vous allez faire un rang de demi-bride. Donc, vous allez faire 2 mailles en l'air, une et deux. Et sur les 15 premières mailles, on va faire 15 demi-brides. Donc ça veut dire une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc vous voyez, là on arrive à la torsade du milieu. Vous allez faire 2 mailles en l'air. Une et deux. C'est pour le bouton. Donc vous allez sauter les 2 premières mailles, les 2 mailles là. Et donc dans celle-là, vous faites vos demi-brides. Donc voilà. Et après, donc du coup, mon bouton doit passer facilement comme ceci. Donc voilà. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 15, 16 et 17. Voilà, voyez? Comme ça, on a fait la boutonnière. Après, le dernier rang, c'est faire que des mailles coulées. Donc, vous retournez votre travail et vous faites que des mailles coulées. Donc, vous ne faites pas de mailles en l'air. Vous faites directement des mailles coulées comme ceci sur tout le long pour bien finir votre travail. Donc du coup je vais finir mon rang de mailles coulées et on se retrouve pour le pliage. Comme ça je vous dirai sur combien de centimètres vous devez plier. Donc là je finis tout le long avec des mailles coulées, je coupe mon fil, je rentre le fil et on se retrouve pour faire le pliage et vous dire à combien de centimètres vous devez le plier.
Je vous dis à tout de Donc suite. voilà, j'ai fini le haut, donc j'ai mesuré, donc j'ai plié en deux, j'ai vu à peu près, j'ai déjà mis un marqueur là et un marqueur de l'autre côté. Donc si vous prenez de haut que vous avez commencé jusqu'à où j'ai mis le marqueur, ça fait sur 29 cm. Du coup, là, vous voyez, là c'est tout simple. Vous voyez à peu près. Et là, de l'autre côté, il y a les brides en relief. Donc les brides en relief doivent être vers l'extérieur. Mais pour faire les coutures, on doit inverser. On doit mettre vers l'intérieur. Donc du coup, on va retourner l'ouvrage et on va plier en deux. C'est pour ça que j'ai mis un marqueur de chaque côté. Comme ça, quand on va faire les coutures sur les côtés, ça ne va pas bouger. Donc vous enlevez le marqueur et vous passez du coup le marqueur et vous prenez la première maille. Attention que vous ne desserrez pas tout votre travail. Le fil ne veut pas rentrer. Voilà, j'y arrive. Voilà, et de même de l'autre côté. Donc voilà, et après, bah, vous prenez de la corde de la dimension que vous souhaitez. Après, si vous voulez, vous pouvez faire des mailles serrées avec votre marqueur ou faire à l'aiguille. Moi, de toute façon, je pense que je vais faire des mailles serrées parce que ça fait plus propre. J'ai déjà essayé sur plusieurs ouvrages et je trouve que c'est mieux, que ça fait plus propre. Parce qu'après, je trouve que quand on fait que les aiguilles, bon, c'est pas pareil. Donc, du coup, voilà. Donc là, comme ça, je vais faire tout le long. Vous voyez, je vais vraiment bien piquer où il y a les espaces. Dans l'autre espace aussi, de l'autre côté, et je cherche. Je prends, hop. De toute façon, après, ça sera à l'intérieur, donc ça ne va pas se voir. Je prends mon fil, je le passe bien dedans. On force un peu parce que entre les mailles, c'est un peu compliqué des moments. Donc voilà, donc j'ai réussi à faire passer. Et après, on fait une première boucle. Et donc, du coup, après, vous faites entre les espaces, ben, vous faites des mailles serrées comme ceci. Et vous serrez bien votre corde. Vous voyez, là, je vais dans l'espace là. Je cherche de l'autre côté. Je fais une maille serrée. Vous voyez, même où il y a dans les espaces, c'est sur le même trou, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, je vais faire ce côté-là. De l'autre côté, je vais accrocher. Donc du coup, après, quand j'ai fini, je plie bien en deux, comme ceci, et je vais mettre mon bouton, juste là. Et on aura fini la pochette. Donc je vais faire mes coutures de chaque côté. Je vais retourner, bien sûr, mettre sur l'endroit, mettre mon bouton, et j'aurai fini. Donc je vous dis à tout de suite. Pour vous faire voir la fin de la pochette. Donc À tout voilà de la suite. pochette finie. Ce que ça donne. Je vous enlève le bouton, comme ça je vous fais voir à l'intérieur. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez doubler, hein, de toute façon. Moi, je pense que je ferai une doublure. Il faudra que je mesure. J'avais mesuré sur 29 cm. Il faudra que je fasse un peu plus. Ça, après, je ferai la machine à coudre. Quand je ferai la doublure, je vous ferai voir. Sur ma chaîne Facebook. Donc voilà. Et j'ai mis une anse que j'avais, une vieille anse d'un vieux sac à main rose poudré. Donc ça suit bien avec le gris. Vous voyez? Après, vous pouvez enlever hein, aussi les anses et puis utiliser la pochette pour autre chose. Par exemple, pour mettre ben, vos crochets, vos aiguilles, tout votre matériel pour faire le crochet. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À aimer, à commenter et à partager. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous!